Bonjour tout le monde, bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on est vendredi le 14 juillet, voilà. Aujourd'hui on est vendredi le 14 juillet, en tout cas un peu froissé, on s'en fout. On s'en fout. Je l'ai repassé, c'est vrai que je l'ai repassé avant de mettre dans la valise, mais bon. On peut assez froissé, puis j'ai pas le temps, je dois sortir d'un moment à l'autre, voilà. Donc on est vendredi aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog. Donc comme d'habitude, je vais vous amener avec moi. Pour vous montrer, voilà, ma journée. On est ici à Yaoundé. Je suis à Yaoundé et on est dans les préparatifs des mariages. Il y a deux mariages demain. Je ne sais pas comment on va faire, mais bon. Mais il y a deux mariages demain. Du coup, on est dans les préparatifs. Donc, aujourd'hui d'abord, bon, tout à l'heure, je vais s'entaler comme ça chez la couturière. Elle n'a pas encore fini mon habillé. Mariage est demain. Elle n'a pas encore fini mon habillé. Donc, il va aller comme ça, là-bas pour essayer. Il va me demander de venir au-dessus là maintenant là, pour qu'elle essaye de rajuster un peu les. Voilà, s'il faut rajuster. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Il passe peut-être demain 8h. Demain 9h et on est à midi. Bref, avant d'arriver là-bas, quand même, il faut quand même que je vous montre un peu quand même. Je vous en fais un peu la visite de la maison. Voilà, de l'appartement qu'on a pris. Voilà. Je ne sais pas si j'ai dit ça dans notre vidéo, mais on a pris d'abord un premier appartement. On a eu tellement de problèmes. Bon, je crois que je vais vous raconter en vous montrant la vidéo de l'appartement. Là. Le premier appartement qu'on a pris, on a eu des problèmes. Et voilà. Et donc, on a changé. On a pris l'autre cycle. Bon, je vais savoir regarder d'abord voilà, le nouveau appartement qu'on a pris. Bon. Voici le nouvel appartement qu'on a pris. Voilà, donc c'est au troisième niveau, donc c'est Carrefour Damas. Donc voilà un peu la vue qu'on a d'abord là. Sur Yaoundé, à la vue, moi je te. Bon, midi dans la nuit, ça sera encore plus joli. Hein. Donc, aussi on est au rond-point Damas. Au rond-point Damas, bon, au rond-point Damas, on dit ici la Frasati. Au niveau de Frasati École, je crois. Et puis on vous laisse là. Donc voilà juste l'entrée là. C'est l'entrée de l'hôtel là, juste où les taxis qui passent. Là justement, là, de l'immeuble. Vous voyez c'est là et voici l'entrée de l'immeuble juste là en bas. Donc là c'est le parking déjà qu'on voit en bas. Et là c'est notre appartement. Voilà, c'est notre appartement là, 3 pièces. Donc 2 chambres, un salon, cuisine. On passe d'abord par la cuisine, cuisine à l'américaine. Juste la cuisine là. Tout, il y a le gaz américain là qui sont hyper là. Même le micro, oh, tout est en gros ici là. Ça c'est apparemment c'est un américain qui a sa femme, c'est quand il est aux États-Unis qui ont ces appartements. Vous voyez, c'est le style quoi. Tout est gros ici là, grand. Tout, l'eau chaude, il y a l'eau chaude qui coule même à la cuisine. Vous voyez, là, c'est voilà le frigo, même les grands, le régulateur en bas là, au cas où. Tension et tout ce qui va avec. Donc et là, la petite salle à manger et puis là c'est bon côté salon, voilà ma montre, l'horloge, une grosse TV et puis il y a la clim bien sûr, il y a la clim. Voilà donc bon et puis on va avoir les chambres, donc on va avoir la toilette, les toilettes d'abord pour bon, le public, tout le monde. Ça c'est les toilettes, il y a même le PQ qu'on a aimé, voyez, ouf, tout est joli ici, hein, franchement c'est joli, vraiment joli. Le miroir, on a le pot. La chambre des invités qui commence là, vous voyez, ouf, vous voyez, regardez le lit, ça, c'est la chambre des invités, hein. Ça c'est la chambre, d'abord la planche là pour le passage. Oui, voilà, c'est le lit, les rideaux,
parc des Riz. Et là, tout est vitré, c'est ouf. C'est vraiment magnifique, quoi. Vous voyez votre chaise dedans. Et c'est la vue de la chambre, vous voyez un peu. La décoration. C'est bien, hein? Moi, je... Donc, vous voyez, ça, c'est la chambre des invités, qu'on peut dire la deuxième chambre. Vous voyez comment elle est. Non, les Américains, vous savez faire les choses. Voilà. Donc, le hic qui est ici, là, malheureusement, dans l'appartement que nous apprécions, dans la chambre des invités, il n'y a pas de clim. Malheureusement, ils ont dit que c'est encore en planning. Ils ont planifié ça, mais il n'y a pas. Ils n'ont pas encore mis ici. Mais dans d'autres appartements, dans l'immeuble, il y a la clim dans la chambre des invités. Bon, on va voir maintenant la chambre de la master bedroom. Maintenant, la voici. Tandan. Ah, voilà. Voilà. Bon, quoique moi, le lit de là-bas, le lit de la des invités est plus mieux que le lit de la master bedroom. Moi, je trouve. Bon, moi, je trouve. C'est le même style, même déco. Il y a ici, il y a la clim, comme vous voyez. Il y a la clim là. La déco. Il y a aussi la penderie. Très bien là. Penderie. Bon, le wifi est bien. Moi, j'étais sur le wifi, ça donne directement. Le wifi aussi, c'est très bien ici. Parce que c'était la première des choses, notre première condition. Voilà, c'est les toilettes. Toujours le même style, le pot au milieu. On se lave un peu loin. Voilà, ça, c'est... Voilà. Et puis, là... Là... On lave les mains. Voilà. Les tiroirs, donc, ouf, moi, j'aime. J'aime ça, c'est bien. Moi, les tiroirs, c'est... Oui. Des petits trucs à l'intérieur, mais bon, quoi que les finitions sont pas bonnes. Bon, mais bref, ça ne regarde pas, c'est joli quand même. Hein. Bref, c'était ça l'appartement. Peut-être du bas, je vais un peu filmer aussi du bas pour que, voilà, vous puissiez voir un peu la beauté et tout le reste. Bon. Voilà, le nouveau appartement, c'est vraiment bien, comme je dis, c'est très bien. Ici, là, on a payé, bon, ils disent 40 000. Hein. Quand je demande, ils disent 40 000, mais il faut discuter. Nous, on a discuté à 35 parce qu'on était sous la pression, c'était la nuit, et on voulait ça le lendemain. On a dit 35 000, alors que si on avait discuté bien avant, on devait prendre 30 000. Parce que ma soeur, elle a déjà joué ici, elle nous a dit, c'est 30 000, il a payé 30 000. Bon, il faut se comprendre que c'est la haute saison, hein. Ça dépend. Parce que quand c'est la haute saison, ça dépend. Oui. Pas aux toilettes alors. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, c'est voilà. Comme je dis, sinon, ils font que des appartements, deux chambres. Un salon et tout. Donc style américain. Ici, c'est vraiment style américain, quoi. Style américain. Tout est américain. Voilà, les lits derrière, là, vous voyez, c'est grand, c'est haut. Les chaises, le salon, c'est tout est style américain, quoi. C'est, voilà. Donc, enfin, vraiment, le propriétaire ici. Il vit au state. Voilà. Bon. Même la cuisine, style américain, vous avez vu. Et c'est bien, on a le groupe. Tout à l'heure, on a coupé la lumière. Il fallait pleurer. Oh, on va. Pop. Le groupe a démarré. On a le groupe. Ce qui est rare, ce prix-là. Voilà. Donc, ici, on est à Damas. On est, je veux dire, 300 mètres de rond-point Damas. Enfin, 300 mètres. Donc, quand tu rond-point Damas, tu prends la moto sans enfant, tu laisses ici. Farazi. Et groupe scolaire Farazi. C'est juste en route, quoi. Tu sors là, tu te mets sur le bouton, tu prends ton taxi. C'est très bien placé. Et le service, oh là là, oh là là. C'est ça les anglophones, vous connaissez les anglophones. Très poli, très accueillant, voilà, c'est trop bien. Donc, j'ai même que si j'aime les petits bobos dans la maison, tellement ce côté gentil là couvre en fait les défauts que tu trouves dans la maison. Donc, bref, comme défaut, on n'a pas vraiment, bon, pas vraiment grand chose. C'est juste que dans une chambre où on est, dans l'autre chambre, la chambre, voilà, la deuxième chambre, il n'y a pas de. Bon, c'est ce qu'ils appellent chambre des invités, il n'y a pas de clim. Il n'y a pas de clim.
Et bon, on dit ça va quand même, il fait quand même un peu frais. On dit par contre, Mado, si ça doit, ça n'a même pas allé. Elle dit que non, no go. Mais c'est Yaoundé, on a demandé, ils ont dit bon, c'est encore en planning, comme c'était la des appartements qu'il y avait dispo, donc on a aussi pris. Et que dans d'autres appartements, quand même, il y a la clim partout. C'est l'autre ici qu'il n'y a pas. C'est l'autre ici qu'il n'y a pas de clim dans la deuxième chambre. Bon. On a dit que bon, ça nous arrange pas. Bon, ceux qui vont dormir là-bas, on dit que ça allait te déranger pas. On a dit que bon, moi dans ma chambre, il y a la clim. Voilà, à poser en haut là-bas. Donc, moi, il n'y a pas besoin de ça pour dormir. Sans ça, moi, je ne dors pas. Donc, c'est un peu ça pour l'appartement. En tout cas, si j'ai oublié un truc, le contact, on a téléphoné directement. Comme j'ai dit, ma sœur était ici. Et puis, on est passé juste là en voiture. On est venu directement là, sur place. Donc, je ne sais pas si on l'a trouvé sur le booking.com ou bien les Airbnb, je ne sais pas. Donc, ça c'est je sais même pas le nom de quoi, et ça nous-mêmes c'est même quoi, nous-mêmes c'est quoi, bref, je vais demander de filmer la carte de visite qu'il veut mettre là pour tout éventuel contact. Comme il dit, ils sont très gentils. Moi je vous recommande ça, c'est trop bien ici là, c'est vraiment trop bien quoi, c'est trop bien. Et voilà, donc c'est un peu ça. Donc il y a d'autres questions et tout, il faut poser. Bon, du coup moi je continue ma journée. Donc je m'en vais chez ma couturière pour les sièges directement. Bon, on se voit après, voilà, pour le prochain déroulement de la journée. C'est un peu sombre ici, hein. Bon, on va comme ça. Voilà, donc on se voit après, donc c'est un peu la chambre, là, le lit. Bon, il est un peu gâté quand même, on a dormi déjà. Bon, à tout à l'heure pour la suite. Voilà, bon, voilà, je suis revenu chez la couturière, vraiment, ça n'a pas été facile, vraiment, ouf, le Cameroun est le rendez-vous, tu te rends compte qu'à telle heure, il vient, te trouve pas, et en plein marché, maman m'a deux rendez-vous, en plein marché de Mendon, pour ceux qui connaissent Yaoundé, au marché de Mendon, donc je suis resté au marché, debout, en plein marché, il y a beaucoup de monde là et tout, voilà, il y a beaucoup de monde là, donc j'étais là, j'ai perdu presque 30 minutes à mon frère, mais voyait comme si tu étais en train de vouloir agresser seulement les gens, je ne sais pas. Comme bien encore les barbes et comme ça là. Donc j'ai eu 30 minutes là-bas, finalement elle est venue avec les habits et l'habit, vêtements et il fallait rajuster. J'ai essayé, quand elle passait pour le pantalon était petit, il fallait qu'elle rajuste, il fallait bien sûr qu'elle rajuste et il n'y avait pas la lumière, on a coupé la lumière. Ouais, le bled, ah, j'adore mon pays, il n'y avait pas la lumière. Donc elle a dû maintenant aller supplier une de ses collègues dans le marché, parce que vous savez, au marché là-bas, par moi, il y a deux lignes de l'électricité. Il y a un côté qui a la lumière, enfin, ça passe une branche sur une même ligne. Donc il y a un côté qui avait, un côté qui n'avait pas. Donc elle a dû aller supplier sa collègue couturière aussi, qui pourrait l'emprunter sa machine, parce que ça, ce n'était pas sûr. Donc parce que ça paraît qu'elle soit en train de travailler. Donc elle est allée justement là-bas et la collègue a été très sympa, elle a coopéré, elle a accepté de lui prêter la machine. Ça a pris encore presque une heure de temps. Dans un rendez-vous qui était à 11h30, je suis sorti de là à 14h30. Vous imaginez, rendez-vous de 11h30 à 14h30, sorti de là. Voilà. Bon, pour la suite du programme, j'ai commandé quoi. Oh, le bled est bien. J'ai commandé un coiffeur à domicile. Ah, le bled est bien. Le bled est bien. Voilà mon coiffeur qui vient me coiffer à domicile. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a un mariage demain et ce n'est pas vraiment le temps de monter, descendre un peu de partout là. Donc, pour gagner en temps, le coiffeur vient me coiffer à domicile. Voilà, on va là-bas. Oui, entre, il faut. Entre par là. Donc, voilà mes deux coiffeurs qui arrivent. Bon, le prix c'est combien? Bon, combien vient coiffer à domicile et tout ça? On a arrangé à, je crois, 8000. Un truc comme 500 euros, hein. Montez là jusqu'au dessus. Donc ça, mes deux coiffeurs là-bas qui arrivent. Ouais. Les amis, le bled est bien. Le bled est bien. Mes deux coiffeurs à domicile. Vraiment. Oh là là. Ah, bref, on va continuer pour la suite.
Bon. Là, le coiffeur finit un mois, vous voyez. Le gars fait du bon travail. Le gars fait du bon travail, mon frère. Il est trop fort, il est trop mon coiffeur. Bon, il a fini. Ah, AfriSilk, ouais. AfriSilk, bon, on va vous montrer tout à l'heure un peu le outfit. Tout à l'heure, on va filmer à montrer outfit. Bon, bref. La journée continue. Il m'avait lâché la styliste. Donne un coup de main. Mais chez la style, récupérer les vêtements de la mariée. Là, apparemment, ils n'ont pas fini. On m'a commissionné. Donc, je m'avais rapidement récupéré les habits des mariés pour demain pour qu'ils puissent porter. Voilà. Bon, en soirée, on avait tous faim. Mais vu les occupations, il n'y avait personne pour entrer en cuisine. Donc, du coup, au Cameroun, on ne manque pas quoi manger. Donc, on est allé au rond-point d'Amas où il y a un type, les musulmans là-bas qui font du poulet braisé, du bœuf braisé. Donc, du coup, on a pris le poulet braisé. Ben voilà, parce que c'était un prix économique. Vu qu'on était nombreux, voilà. Donc, on a pris du poulet braisé et on a, voilà, avec des plantains et tout ça. Donc, c'était très bon. Et voilà, on en a bien mangé. Puis, chacun était rassasié. Donc, et puis, bon, voilà. Donc, du coup, cette vidéo, ça va s'arrêter ici. Voilà, pour ne pas faire trop long, ça va s'arrêter ici. Bon, et on se voit à la prochaine. On se voit le lendemain. Voilà, la vidéo du lendemain pour le mariage. Allez, d'ici là, portez-vous bien et à plus. Ciao, ciao.